Bonjour, plaisir d'accueillir sous l'autorité de Pierre Giorgini, président recteur de cette université catholique de Lille, Michel Rocard, ancien Premier ministre qu'on ne présente plus et co-président du Collégium international qui est une instance de réflexion qui, depuis des années et des années, tente de penser le présent et d'essayer d'éclairer l'avenir. Essayez. Je suis face à vous deux qui avez l'un et l'autre écrit ou dirigé récemment deux livres marquants. Celui de Pierre Giorgini, La transition fulgurante, qui est au cœur de toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui, qui touchent à l'interaction de toutes les sciences, la nécessité de repenser le monde, un avenir qui est en métamorphose assez étonnante. Donc, et un sentiment, quand on connaît votre passion, d'optimisme sur la manière de concevoir les relations humaines, de repenser la vie en commun et d'utiliser l'ensemble des sciences de manière interdisciplinaire pour prévoir cet avenir. Michel Rocard vient de produire un nouveau livre encore marquant, Suicide de l'Occident, suicide de l'humanité, qui vient en contrepoint par rapport à cette présentation nous dire comment l'homme politique éminent qui fut, avec succès majeur sur un certain nombre de dossiers, et notamment lorsqu'on parle de vivre ensemble la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire comment faire vivre ensemble des communautés qui paraissent avoir une évolution divergente, irréconciliable. Je veux dire que Michel Rocard, qui a fait preuve là, dans ce bouquin, de son désarroi par rapport à une situation dans laquelle la complexité croissante du monde n'est pas prise en compte comme on le devrait, dans laquelle les crises multiples sont en train de se développer dans tous les secteurs d'activité, et quelque part une défaillance de la gouvernance mondiale qui, hélas, fait jour, qui se traduit très récemment par ce qu'on voit, y compris en Europe, avec la situation de la Grèce ou l'incapacité à aborder les crises financières ou l'environnement ou la montée des violences ou le terrorisme de la manière qu'il voit. Donc un sentiment plus pessimiste sur l'un des autres. Alors Pierre Giorgini, vous qui avez cette volonté d'avancer et de trouver des solutions, et Michel Rocard qui, lui, fort de son expérience passée, a un certain nombre d'interrogations et de doutes, dites-nous comment, en fait, notre humanité peut, en partant de la base, avancer demain, et ensuite, je pense que Michel Rocard pourra réagir et vous poser toute une série de questions. Oui, alors si j'avais la réponse à votre question, c'est-à-dire si je savais comment l'humanité pourrait avancer demain vers un monde meilleur, je peux vous dire que ça, d'abord ça se saurait, et ensuite j'aurais un certain succès, bien évidemment. Non, franchement, on est, quand je parle de la communauté universitaire catholique de Lille et moi-même, bien plus modeste que cela, simplement. Peut-être pour pas être trop long et qu'après on puisse échanger. Je pense que effectivement il faudrait être aveugle pour ne pas voir l'ensemble des problématiques, des problèmes qui se posent à notre monde, à notre humanité. Et on voit bien d'ailleurs que nous avons probablement dans les sciences et technologies, mais pas que là, nous avons de quoi aujourd'hui détruire 30 fois notre planète. Il faudrait être aveugle pour pas le voir. Mais en même temps, nous avons dans ces mêmes évolutions probablement des opportunités immenses à essayer de construire, de reconstruire finalement un monde différent, mais qui pourrait peut-être, non pas aller vers un monde meilleur, mais en tous les cas, nous permettre d'aller vers quelque chose de plus humain, de plus solidaire. Alors, il ne suffit pas que de le vouloir, mais en tous les cas, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a aussi les opportunités. Et que notre problème de fond, c'est à la fois d'être conscient des risques qui sont considérables, qui sont aujourd'hui à nos portes, et en même temps, parce que nous sommes une université, parce que nous avons des jeunes dont on voit tous les jours à la fois la préoccupation mais aussi l'enthousiasme, à la fois la peur mais aussi l'espoir, au fond d'appliquer, nous sommes une université catholique, un principe chrétien qui dit « dans les pires moments, l'espérance ne déçoit pas ».
Et donc, voilà, il y a de l'optimisme dans ce livre, c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit un optimisme béat, c'est-à-dire un optimisme naïf, comme on peut le voir à certains endroits, qui laisserait croire qu'au fond, bah, les choses vont évoluer vers le meilleur, comme cela, au fond, de façon presque, je vais dire, naturelle. Et donc, je crois que l'objectif de ce livre, c'est à la fois d'essayer d'identifier ce qui se passe, c'est-à-dire cette corrélation très forte, que je qualifie de systémique, entre une véritable révolution technoscientifique qui, je prétends, est sans précédent au niveau de sa puissance, parce qu'elle-même procède d'une systémique, c'est-à-dire cette transition technoscientifique est elle-même le produit de d'ailleurs, pour s'en apercevoir, il faut être en capacité de voir que c'est les interactions entre les différentes révolutions technoscientifiques qui produisent ces ruptures, avec les risques et avec les opportunités, que nous sommes également dans une transformation d'ordre social, c'est-à-dire que nous voyons naître des nouvelles formes de communautés agissantes, nous voyons naître un monde complètement interdépendant, nous voyons une crise de nos systèmes institués traditionnels, et puis troisièmement, l'émergence de nouvelles formes d'économie, l'économie créative, l'économie collaborative, l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, qui sont des principes, des façons de travailler qui sont en train d'émerger aujourd'hui et qui, à mon avis, sont porteuses d'espoir, en même temps d'ailleurs qu'elles sont porteuses de dérégulation, qu'elles sont porteuses de remise en cause de nos systèmes. Donc moi, ce qu'on a essayé de faire, et d'ailleurs je rappelle que ce livre est organisé sous forme d'un débat, d'une dispute, puisqu'il y a des gens qui s'expriment en contrepoint, en accord ou en désaccord, c'est que je pense que nous avons besoin de développer une dialectique très très forte sur ce monde, de la partager avec nos étudiants, avec ces jeunes, de pas laisser croire qu'au fond ce serait le sujet des experts ou le sujet des professeurs ou le sujet des politiques. Je crois que nous rentrons dans un monde où chacun va devoir prendre conscience, comme je le dis souvent, qu'il est porteur d'une part d'universel dans chacun de ses actes les plus quotidiens, des actes de consommation, des actes de choix qu'il peut faire dans sa vie. Et donc cette montée en conscience nécessaire, indispensable à la survie de notre humanité, à ce dont j'ai été sensible d'ailleurs, et ce sur quoi je suis sensible, c'est-à-dire cette espèce de tension qu'il y a entre le monde tel qu'il nous a été donné, c'est-à-dire ce sens qui nous précède, qui est dans nos institutions, qui est dans notre histoire, et puis cette espèce de bouleversement systémique qui nous oblige à trouver les ressources pour, en quelque sorte, le recréer. Et je crois que ce tiers chemin, dont je parle aussi assez souvent, est indispensable. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a d'un côté, on va dire, les conservateurs, ou que d'aucuns qualifient de bioconservateurs, c'est-à-dire qu'ils disent non, il faut revenir à un ordre naturel, il faut rejeter la technologie, il faut revenir à quelque chose qui aurait été formidable. Moi, je viens d'une famille, mon grand-père a fait la guerre 14, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale, donc ce passé quand même a été aussi extrêmement douloureux et extrêmement violent. Et en même temps, les naïfs qui voient dans les sciences et les technologies l'idée qu'on pourrait créer une post-postmodernité qui éradiquerait presque comme ça, de façon, j'allais presque dire, naturelle, la souffrance, le mal, les fragilités, etc. Et moi, je crois au tiers chemin, et je pense que ce tiers chemin, hélas, ne peut plus être construit aujourd'hui seulement par les grandes institutions internationales. M. Michel Rocard rappelait qu'il n'y a pas eu de grands accords qui ont fonctionné à l'échelle internationale ces dernières décennies. Moi, je crois qu'il faut reconstruire de bas en haut, c'est-à-dire il faut, par cette montée en conscience, par cet enthousiasme non naïf, ce tiers chemin, cette prise de conscience que nous sommes porteurs d'une part d'universel, voir comment on reconstruit de bas en haut. La question, c'est la question de la temporalité. Aura-t-on le temps de faire cette reconstruction de bas en haut ? Voilà. Ça, c'est effectivement une question qui est obsédante. Mais en même temps, nous sommes une université. Et donc, notre mission, c'est aussi de travailler sur le moyen terme, le moyen et long terme, et de mettre ces jeunes en perspective, en fait. Je crois que c'est ça. C'est les mettre en perspective, de leur dire « le monde a besoin de vous », pas comme il en avait besoin avant. Il a besoin de vous en tant qu'acteur impliqué dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Vous ne pouvez plus considérer que la question de votre impact sur le climat, de votre impact sur l'environnement, c'est une autre question. C'est la question des institutions, etc. C'est votre question.
Et donc pour ça, vous avez quand même ces ressources Internet qui peuvent produire le pire, mais qui peuvent aussi leur donner les moyens de monter en conscience et même d'agir. Il y a sur Internet des effets de horde sauvage, il y a des effets de violence, mais il y a aussi des effets formidables de solidarité, il y a des communautés qui naissent, etc. Donc voilà, apprenons à regarder le meilleur, le promouvoir, le faire vivre avec enthousiasme et en même temps ne surtout pas être complaisant, naïf par rapport à ce qui se profile aussi en parallèle avec cette émergence. Michel Rocard, vous avez entendu, je veux dire, que... Oui, j'ai très bien entendu. Que la base... J'ai du mal à commencer autrement qu'en remerciant M. le recteur Georges Lydy et toute son équipe de l'excellence de l'accueil ici et de la belle matinée qui m'ont fait passer. Nos éditeurs comprendront très vite. L'objet de mon travail à moi, c'est la régulation mondiale. C'est là que ça ne va pas bien. Je baigne donc dans un grand pessimisme dont vous m'avez sorti le temps d'une matinée. L'espoir qu'on lit dans les yeux de tous ceux qui vous approchent, l'espoir que l'on devine porté par les nouvelles techniques que vous inventez, les nouvelles relations que vous créez, tout ça est très porteur d'avenir et c'est un utile contrepoids au drame auquel j'essaye un peu de répondre. Il reste que j'ai quelques questions à poser. Je vous en ai posé une déjà à titre privé tout à l'heure en vous demandant si dans toute l'énormité de l'invention de communication et de société à laquelle vous procédez ici, dans les écosystèmes innovants, dans les laboratoires, etc., il y avait une discipline des sciences humaines qui servait de référence ou de cadre, et la réponse est que non. Vous êtes intuitif et interdisciplinaire par... De naissance. Oui, et par obligation pratique, au fond. Faute d'autre chose. Ce qui est déjà très rassurant. Reste que je continue à penser que nous vivons une phase très difficile de l'histoire de l'humanité parce que, comme je viens de le dire, Henry Kissinger, un grand esprit, qui a dit il y a 2 ans, jamais au cours de l'histoire, et l'histoire, ça fait, on l'écrit à peu près sur 6000 ans tout de même, jamais au cours de l'histoire, aucune génération n'a eu affaire à autant de défis simultanés, différents et cumulatifs que la présente génération. Et c'est ça le drame. Nous ne savons pas quoi faire devant l'arrêt de la croissance dans le capitalisme. Nous ne savons pas non plus quoi faire devant le désordre financier qui fait des bulles, quelque chose. Les causes ne sont pas les mêmes, ça s'aggrave, c'est complètement interdépendant, les raisons sont différentes. Nous tombe là-dessus le réchauffement climatique, qui n'arrange rien, qui est une menace encore plus forte. Au milieu de tout ça, les systèmes mis en place par nos nations pour essayer de limiter les guerres, d'y mettre fin, d'y négocier des arrêts, ne marchent plus. Ce n'est pas seulement qu'aucun grand accord n'a fonctionné, comme vous dites, durant pendant le XXIe siècle, aucun n'a été signé. On n'en produit plus. La machine de la gouvernance mondiale est à l'arrêt. Et tout se détériore. Et dans ces affaires, je suis obligé d'admettre que les sciences ne se parlent pas entre elles. Bizarrement, des financiers ont prétendu créer une science financière qui voulait échapper à la science économique. La science économique elle-même est en grève de l'esprit. Elle nous a vendu des paradigmes faux, comme quoi le marché est auto-équilibrant. Le constat s'appelle la crise. Les chômeurs vous diront que ça ne marche pas tout seul. Comme quoi tout équilibre de marché est optimal, ce qui est aussi démontré négatif par les faits. Mais les détenteurs de ces savoirs-là sont toujours les protecteurs de savants qui fournissent leurs conseils à nos gouvernants comme à nos grandes banques. Ça continue. On n'a pas intégré le combat contre le réchauffement climatique qui ne fait pas partie de tout ça alors qu'il devrait en être. Et au milieu de tout ça, les conflits se multiplient parce que quand il y a des conflits durs entre les hommes, le plus souvent, c'est qu'une règle de droit devient intolérable. Et la préservation du droit devient une obligation de maintenir des rapports de force conflictuels. Au milieu de tout ça, je suis obligé de dire, le politicien que je suis, quel est mon métier? C'est décider vite quand il y a le feu, sans avoir toute l'information nécessaire et sans prendre le temps d'en chercher de nouvelles. Et sans même avoir les outils intellectuels produits par la science qui répondent complètement. Or, il faut bien décider et trancher. Et donc, j'ai toujours envie de lancer un appel aux détenteurs de savoir,
sur la question, est-ce que vous pensez que le savoir dont vous êtes détenteur suffit à lui-même pour régler votre part des problèmes mondiaux sans vous interconnecter avec les savoirs jointifs et produire un savoir de la vie en société qui traite aussi bien de la violence que de l'argent, que de la monnaie, que de la communication entre les hommes. Et c'est là que j'ai ce matin nourri un appétit considérable de nouvelles relations, mais que je suis obligé de vous demander de ne pas rester au local, n'évacuez pas le global. Un système financier, on en a besoin mondialement et pas en dessous, enfin avant d'avoir besoin en dessous. La pollution et le réchauffement climatique et le gaz carbonique et l'effet de serre n'ont pas de frontières nationales. Et les règles de la paix et de la guerre entre les grands peuples, ou même entre les petits, sont aussi mondiales. Et donc, il faut créer une demande d'interdisciplinarité du savoir, à ce niveau global aussi. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, aucune université n'a cela en charge. Mais au nom du drame dans lequel les politiques d'aujourd'hui, qui n'ont perdu le pouvoir, hein, le pouvoir est pris par les directeurs en antenne du journal de 20 heures. N'importe quel dirigeant vous dira qu'une réforme peut passer si le journal de 20 heures donne son accord ou pas. Ou deuxièmement, la banque, qui a mis le monde en désordre et est assez puissante en général pour empêcher les gouvernements, à commencer par celui des États-Unis, de mettre en place des techniques de contrôle de la production de bulles suffisantes. Or, nous ne les avons pas. Dans ces conditions-là, je hurle à la demande de la recherche et au droit d'une pratique interventionniste, factuelle, partielle, mais il faut bien agir, y compris sur le plan parfois militaire. Mmh. Le terrorisme, ça se combat. Tout à fait. Et ça fait partie de l'eau. Je vous vois sur local, global, sur les deux éléments, et il y a deux questions que Michel Rocard a posées par la même. Hein. C'est l'éternelle question, est-ce que le progrès scientifique est capable de résoudre tous les problèmes. Mais il vient de l'évoquer, alors que la puissance des ordinateurs n'a jamais été aussi forte, alors que les capacités de calcul sont démultipliées, alors qu'on invente à Dauphine des modèles de management de la sphère financière, on est dans une crise financière monumentale. De la même manière, il y a la deuxième question sur le local. Vous avez une initiative formidable qui est Humanicité, qui essayait de recréer du savoir-vivre ensemble. Ce savoir-vivre ensemble que vous évoquez, entre diverses couches sociales, des gens plus ou moins favorisés, handicapés, jeunes et vieux, etc., il est confronté aujourd'hui à un problème majeur, qui est celui de la montée des violences, du repli identitaire, de la difficulté qu'on a dans notre pays de voir coexister des religions. Comment pensez-vous pouvoir intégrer cette donnée, y compris dans votre recherche et les expériences, la vie que vous développez dans ces cités ? La question qui me semble majeure, et je vais faire un parallèle avec ce que j'ai vécu dans mon expérience d'entreprise, puisque je suis un homme d'entreprise, je ne suis pas un universitaire natif. J'ai connu une période d'entreprise où la question de la transformation était une question de transformation globale, c'est-à-dire c'était l'institution entreprise qui disait, compte tenu des contraintes qui s'imposent à nous, nous devons nous transformer. Et avec des plans de transformation qui étaient régulés, qui étaient planifiés du centre, avec un certain nombre de moyens de démultiplication, repérer les meilleures initiatives, les transposer, etc., etc. Ce que j'ai repéré, en tous les cas, moi, par les 20 ans, plus de 20 ans où j'ai travaillé dans la transformation des entreprises, c'est que les transformations qui marchent réellement dans la durée aujourd'hui, compte tenu de cette mise en réseau de plus en plus forte des acteurs, c'est celles qui fonctionnent dans ce qu'aucuns ont appelé la glocalisation, c'est-à-dire comment on fait émerger du local des initiatives et on ne fonctionne plus comme un manager, mais comme un grand reliant. Je crois que le politique de demain sera un grand reliant, c'est-à-dire quelqu'un qui saura
repérer où sont les initiatives comme la nôtre, certes limitées, locales, mais quand je suis à Montréal et que je vois à Montréal des initiatives semblables, quand on remet le doctorat honoris causa au père Nebres avec Melotto et la création de Gawad Galinga, on s'aperçoit qu'au fond, partout dans le monde, naissent des initiatives de mise en réseau, des initiatives transdisciplinaires, des initiatives, on va dire, de réinvention. Et je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en capacité, est-ce que nos personnes qui pensent global, sont, qui agissent globalement, sont capables d'agir global en pensant local, c'est-à-dire en inversant, au fond, un peu le paradigme, y compris en France surtout, notre paradigme républicain assez jacobin, d'être plutôt sur ce qui émerge, c'est-à-dire d'être à l'affût de ce qui émerge et, au fond, de reconstruire au travers de ce qui émerge dans le monde entier aujourd'hui. Là. Je pense que, ce que Anne-Sophie Novelle appelle la co-révolution est en marche partout, sans tomber non plus dans une naïveté en disant « voilà, ça va être la co-révolution ». Mais en tous les cas, il y a de plus en plus de gens qui décident, c'est la théorie de la résilience économique et des exposés de Patrick Vivret sur le sujet, il y a de plus en plus de gens qui font du local et à qui on pourrait dire « mais ce que vous faites n'est que local ». Sauf que si on travaille sur la reliance, sur la propagation, sur ces communautés qui se mettent à travailler ensemble, je crois qu'on a la force de faire bouger les choses et de reconstruire, je dirais, de bas en haut, de recréer en quelque sorte les conditions, mais pas dans une logique, c'est peut-être ce qui me différencie peut-être avec Anne-Sophie Novelle ou d'autres, pas dans une logique justement de la révolution qu'on s'y serait à dire « tout ce qui naît de cela est bon ». Mais plutôt dans une logique de réarticulation, c'est-à-dire comment les grands systèmes institués, comment le marché peut avoir l'intelligence de dire « je vais aller me réinventer en permanence, réinventer mes structures, réinventer mes procédures en venant à la rencontre de ce qui émerge là ». Vous parliez, je crois, dans une conversation à midi, d'initiatives que vous vouliez prendre au niveau de votre commune et de toute cette bureaucratie qui vous est tombée dessus. Peut-être qu'on pourrait réinventer l'État en lui donnant la possibilité de vous envoyer des grands reliants qui viendraient observer ce que vous voulez faire et vous accompagner, le faire connaître. Et là, on est sur un autre rôle de l'État qui est un rôle de reliance et en même temps d'influence, qui pourrait dire, au nom de l'intérêt général, là, excusez-moi, je pense que vous devez faire autrement. Et le droit, au lieu de continuer à s'accumuler comme un réducteur d'initiative et comme un frein, au fond, face à la complexité, pourrait se reconstruire autour de quelques grands principes qui nous unissent dans un État, dans une Europe qui a ses valeurs, etc., des grands principes fondateurs de notre humanité, et peut-être lâcher un peu prise sur cette complexité du droit qui, au fond, freine un certain nombre de capacités à reconstruire ce monde de bas en haut. C'est ça l'espoir que je peux avoir. Et quand Melotto, le père Desbresses, parle de tout ce avec quoi il a dû rompre, vous en parliez à propos de la Nouvelle-Calédonie, toutes ces initiatives de transformation locale, elles pourraient devenir le moteur de la transformation, en tous les cas, probablement de notre pays, de l'Europe et peut-être du monde, à partir du moment où on arriverait à enclencher ce mécanisme de réinvention, c'est-à-dire comment nous allons nous réinventer dans ces initiatives locales pour les influencer, pour aussi appeler à leur conscience générale quand on pense que l'intérêt général est en cause. Le seul problème et l'argument où j'ai été touché par Michel Rocard tout à l'heure, c'est celui de la vitesse. C'est lorsque Michel Rocard a dit « très bien, mais aura-t-on le temps ?» Et là, j'avoue que je ne sais pas répondre. Peut-être n'a-t-on plus le temps. Sur votre question, vous dites que la question va revenir par le local. Je sais qu'il y a un autre sujet qui tient à cœur à Michel Rocard en remontant sur le global, c'est la capacité de coopération. Alors vous dites entre intervenants locaux, quand on voit les difficultés, c'est l'une des questions qu'il a, entre intervenants nationaux, comment peut-on faire en sorte d'être certain que ce qui peut se faire au niveau local va avoir au niveau national et au niveau international une capacité, trouver des débouchés, trouver des solutions. C'est toute la question de la souveraineté nationale dont Michel parle tout. Cette question-là, on peut accepter qu'elle soit résumée à travers le mot de vitesse, simplement. Car c'est vrai qu'il y a une vitesse de désagrégation, à la fois dans la montée de la violence, et en même temps, dans la dénaturation du rôle de l'argent, je vous signale que tout le système bancaire mondial finance de moins en moins l'investissement des entreprises et alimente de plus en plus, pour 98% de son volume total, des systèmes spéculatifs destinés à des enrichissements personnels en laissant de côté l'investissement. Là, il y a deux facteurs
qui voit à toute allure et qui désagrège. Mais curieusement, quand vous avez, monsieur le recteur, évoqué tout ça à l'instant, il m'est venu l'envie d'ajouter à ce drame de la course de vitesse un autre problème. Il y a une hypothèse implicite dans tout ce que vous venez de dire, à quoi j'avais envie de dire d'accord, incidemment. Je suis d'accord avec la tirade. Mais qui le fait ? Et votre hypothèse implicite, c'était que c'est les politiques qui y parviendraient. Or, dans le drame de la crise, il faut inventorier que le grand vaincu, c'est le pouvoir politique. À partir du moment où une doctrine économique et financière s'effondre, et où l'économie moderne, qu'on appelle l'économie capitaliste, ne sait plus assurer la croissance ni le plein emploi chez elle, et où dans toute la population de la totalité des pays développés, vous avez un tiers en tout qui est soit chômeur, soit en situation de précarité, la confiance dans le politique disparaît. Nous avons perdu le pouvoir. N'importe quel gouvernant de pays développé vous dira que toute réforme dont il rêve et qu'il a envie de faire ne peut passer que si les chefs d'antenne du magazine de 20 h à la télévision sont d'accord ou pas. Le pouvoir de décision, il est passé là. Et par conséquent, il n'y a pas d'accord possible dès que les choses sont difficiles. Deuxièmement, le grand pouvoir coalisé des 28 banques systémiques qui dominent le monde et ils préservent leur rente et la zone de la spéculation d'argent et interdisent, ça vient de se produire sur les 10 dernières années, interdisent que l'on mette en place des mesures de contrôle suffisantes pour nous garantir contre l'extraordinaire menace de bulle que nous avons sur le dos et à laquelle Bernard vient de faire attention tout à l'heure. Je crois que la politique est vaincue, en plus, harcelée comme ils le sont, les politiques mal payées comme ils le sont quand on les veut. Et j'en connais, j'en suis, qui ont été honnêtes. Bon. Il faut s'occuper de soi-même et de sa réélection, c'est tout ce qui vous reste. Or, pour les médias, un homme politique qui travaille à son dossier, il ne travaille pas. Voir un homme politique au boulot, c'est le voir serrer la main. C'est le voir faire des prestations médiatiques. Samedi, dimanche, compris. Tous les responsables politiques sont crevés, fatigués et n'ont plus le temps de lire. Ne vous faites pas d'illusions, la partie intellectuelle, créatrice de ce dont nous avons besoin viendra d'ailleurs, et des autres du savoir. Vous êtes université, vous accompagnez un patronat. Le patronat industriel du monde, d'ailleurs, qui depuis très longtemps dit que l'État est trop, parce qu'il ne sait pas faire encher l'économie et qu'il faudrait lui enlever bien des fonctions. Jamais le patronat n'a accepté de dire comment il les remplaçait. Ce remplacement doit être assumé. Moi, je veux bien que l'État en fasse moins. Mais si on n'a plus besoin de policiers, faut peut-être d'une garde civile, enfin je ne sais quoi. Il faut en tout cas que les fonctions laissées en déshérence soient prises en charge. Ne croyez plus que le politique a une capacité d'invention harcelée, vaincue, battue, méprisée. On a toujours su que le politique avait représenté un danger d'arrogance. Et chez les rois de France, la reconnaissance de ça était l'existence de la fonction de bouffon du roi. Le bouffon du roi était en général très intelligent, accompagnait le roi partout et avait le droit, sans qu'on y touche, de dire son mot sur tout et n'importe quoi. Il n'y avait qu'une interdiction, le bouffon n'entrait pas à la cathédrale. Si maintenant la cathédrale, d'où sort l'onction de légitimité, c'est le magazine de 20 h à la télévision, on met les guignols de l'info juste avant, de manière à ridiculiser le pouvoir de décision avant même qu'il ait parlé, en appelant à un acte collectif. C'est le signe le plus net et le plus clair. Alors, prenez ça en charge aussi dans votre reconstruction de savoir. Il y a une crise à laquelle les hommes de pensée ont charge de répondre largement autant que les pauvres politiques, les grands vaincus que nous sommes. Bien sûr. Alors, sur ce sujet, bien sûr, vous avez hautement raison. Simplement, le 20 h, c'est peut-être le monde d'hier. Je ne sais pas ce que sera le 20 h dans le monde de demain. Ce qui va prendre la place du 20 h, est-ce qu'il sera meilleur ou pire? Ça veut dire l'information morcelée, l'information sur Internet, l'information co-élaborée à partir de photos d'iPhone, etc. Et je crois que l'enjeu, justement, je disais tout à l'heure, risque et opportunité, est-ce que notre boulot à nous, université, n'est pas justement, en travaillant comme on le fait dans nos laboratoires, dans nos nouvelles pédagogies, d'amener cette jeunesse que nous formons, non pas à la former simplement à être de bons ingénieurs ou à être de bons managers dans les entreprises, mais à être des personnes en capacité de réinterpeller et de recréer ces systèmes et d'en faire du meilleur plus que du pire, même s'il ne faut pas sombrer, comme je le disais, dans la naïveté. Nous aussi, voilà. Ça suppose une disponibilité à traiter le global par multiplicité d'accords. Absolument. Et par une prise en charge du champ intellectuel. Oui. Oui.
mais qui ne peut pas être, qui ne peut plus être, comme vous le disiez très, justement, uniquement disciplinaire. Et c'est du coup ce que nous essayons de faire, c'est de créer de l'interdisciplinarité devant, face à ces difficultés. Lorsque nous mettons des étudiants en position de se saisir de problèmes, un problème, par définition, il est multidisciplinaire, si c'est un problème réel. Et donc, par définition, vous êtes optimiste, par définition. Enfin, par définition, au sens que si on veut l'appréhender dans sa globalité, on est obligé de faire appel à bien des disciplines. Vous parliez du droit, mais aussi la psychologie, mais aussi l'éthique, etc., etc. Donc c'est ce que nous, modestement, nous tentons de faire. Mais je pense que si toutes les universités et tous les hommes et femmes de progrès dans l'éducation, dans l'enseignement, finalement, avançaient dans ce sens, nous pourrions déjà conduire une transformation, peut-être d'inventer la suite du journal télévisé du 20h. Et peut-être, pourquoi pas, réinventer... Enfin, aider les politiques, très modestement, réinventer peut-être des nouvelles générations de politiques. Pour conclure, juste pour dire que la dichotomie de pessimisme et optimisme est essentielle et elle crée une question que je voulais poser plus tôt, elle a laissé sans réponse en conclusion. C'est que la grande question, c'est... Avec cette transition fulgurante, avec la vitesse de changement, on a l'impression que les dernières 20 années, 30 années, on vit plus de changements que le dernier millénaire. La grande question, elle est, est-ce que le monde vers lequel on va être en césure, en coupure, en discontinuité avec le monde avant ? Les 6000 années qui vont changer d'une manière radicale, ça me fait penser à la disparition des dinosaures. On n'est sûrement pas devant la fin du monde, mais il est évident qu'on est à la fin d'un monde certain, autre, qui va changer tellement radicalement. On verra plus quel est le lien, et qu'il se peut que le lien, il ne sera pas. Et ça exige une nouvelle anthropologie, en tous les cas, en profondeur, qu'on ne va pas développer ici, mais ça reste une question suspendue. Si on peut redire un mot, et je laisserai le dernier mot à Monsieur le Premier ministre, mais je dirais, finalement, ça va vous paraître très naïf, mais ça dépend de qui ? Ça dépend de nous, donc, et je ne fais pas de l'hyperpuissance en disant ça. C'est-à-dire, ou de eux. Mais on fait partie de eux, nous. C'est là donc, la question. Voilà, ouais. Voilà. Question, Monsieur le Premier ministre, est-ce que tout l'ordre politique, économique, juridique, social et sociétal va être remis en cause par la technique ? Et que peut-on faire par rapport à ça ? Je ferai remarquer, Monsieur le Premier ministre, que dans votre livre, il y a un chapitre d'espoir. Quand vous parlez des communautés et de ce qui émerge, je sens un petit brin, je ne sais plus quel chapitre c'est, je sens un petit brin d'espoir. Dans vous ce qui est en lu train presque de trop systématiquement. Il y a deux ou trois chapitres, avec un peu de piste d'espoir. Voilà. Un méthodologiquement et un autre substantiellement. Tout à fait. Non, c'est vrai que la montée de l'économie sociale, la réparation de quelques grands systèmes, je pense au microcrédit, je pense au système laitier indien que personne ne connaît, qui est une merveille. Alors j'espère qu'il marche toujours. Moi, je l'ai découvert en 84, ça fait longtemps. Peut-être qu'il a été démoli par l'État local qui voulait le démolir parce qu'il était trop puissant. Tout ça sont des éléments de réponse, mais qui n'ont pas prise sur la globalité des agencements, et notamment sur la paix et la guerre, pour dire les choses très clairement. Mais ma principale inquiétude, elle est dans une bulle financière explosive, tout de même. Et là, il y a une urgence, et en plus, il y a un caractère pacifique du savoir, le discours universitaire, même quand il s'interdisciplinarise et prend acte de ses faiblesses d'avant, reste poli, courtois, gentil. Quand ce prix Nobel de la paix, qui s'appelle Amartya Sen, a commencé à écrire sur la désorganisation du système, il l'a fait avec un tel refus de mettre en cause ses contradicteurs, une telle courtoisie, une attitude de gentleman britannique, que personne n'a osé ouvrir un conflit. Or, il était le premier dénonciateur des folies qui mettent le monde dans l'état dramatique où il est maintenant. Il faut hurler et ne pas exclure que tout ça va être conflictuel. Oui. Il faut assumer le fait que les risques dans lesquels la planète est placée maintenant portent une dimension conflictuelle terrible.
Le politique hurle, vous, vous préparez les étudiants. Voilà. Donc on finira sur ce mot d'optimisme.